Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver, eh bien, pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 17 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Cette semaine, j'ai pris le parfum d'âme, l'oracle parfum d'âme. On terminera par énergie de guérison. Et avant de commencer, comme chaque matin, petite philosophie du matin. Et aujourd'hui, ces réponses. Notez que les autres calquent souvent leur attitude sur la nôtre. Et c'est ainsi que l'agressivité, eh bien, elle engendre l'agressivité. Le stress, eh bien, il répond au stress. Une mesquinerie en appelle une autre. Eh bien, aujourd'hui, faites l'expérience de la douceur et de la gentillesse. Et c'est ainsi que vous constaterez que tout s'apaise comme par enchantement autour de nous. Voilà. Belle philosophie du matin. Alors aujourd'hui, j'ai pigé dialogue. Vous bâtissez des échanges équilibrés entre les autres et vous. Je le dis souvent, n'est-ce pas, le dialogue, c'est très important que ça soit dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, la communication est vraiment importante. Et le message de cette carte, pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez la décision aujourd'hui, eh bien, de mieux communiquer autour de vous. Car pour certains d'entre vous, il est probable que vous ayez énormément de choses à partager et à apprendre aux autres, mais qu'un sentiment de ne pas être à la hauteur par manque de confiance en vous ou de timidité sévère, eh bien, vous bloque vraiment dans votre sphère sociale. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à vous faire accompagner par un professionnel qui saura vous aider à reprendre confiance en vous, car le monde vous attend pour vous écouter et échanger avec vous. Si maintenant vous êtes dans une problématique où vous n'osez rien dire parce que vous vivez quelque chose de douloureux, faites-vous aider soit par un psychologue, par une thérapeute ou un thérapeute, mais faites-vous aider par un professionnel. Ça peut être aussi au point de vue de votre travail, n'est-ce pas? Exprimez-vous. Videz votre sac. Si vous en avez gros sur le cœur, c'est ainsi que ça va vous libérer d'un poids que vous n'imaginez même pas un seul instant. Et pourquoi pas vous confier à vos proches, amis, famille, ou même un thérapeute, encore une fois, hein, qui saura vous écouter, car vous en avez grandement besoin à force d'intérioriser les émotions. Vous n'osez plus, vous n'osez pas. Pour telle et telle raison, vous, vous le savez. Mais il est important que vous exprimiez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Même si la vérité va déranger. Vous devez l'exprimer. Et il y a une façon de dire les choses, n'est-ce pas ?
Mais comme vous êtes dans un état où vous n'osez pas, eh bien, il serait peut-être judicieux de demander de l'aide. Vraiment, c'est très important. Hein, encore une fois, le dialogue, voilà. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue, on ne sait rien faire, on ne peut pas avancer, on fait du surplace. S'il y a quelque chose dans votre au milieu professionnel qui ne vous convient pas, mais dites-le. Il y a une façon de dire les choses. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Il faut le dire, parce que ça ne sera que salutaire, évidemment. Allez, je termine par l'énergie de guérison. Et aujourd'hui, j'ai pigé ici et maintenant. Le futur n'existe pas. Et le passé n'est plus. Ben oui, parce que le futur n'existe pas parce qu'on ne sait pas. Et le passé, ben, on ne sait plus rien y faire, il est derrière soi. Et le futur, ben voilà, c'est l'instant présent. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici et maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Quand mon âme est prête. En fait, vive le ici et maintenant, l'instant présent, un jour à la fois. On va construire aujourd'hui pour avancer demain. Vivez l'instant présent. C'est tellement, tellement important. Appréciez les choses du ici et maintenant. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.